passé Bolo Zenden. Bien joué Bolo, bien joué. Peut-être bien pour joué. La tête de Grandin. Allez, comme elle vient, Caboret. Allez, voilà, 3 buts à 0, 3 buts à 1. Marseille qui s'affole pas, hein, qui essaie de poser le jeu. Le centre peut-être de Teivo. Oh, la reprise derrière Valbuena. Oh, la barre transversale et derrière l'ouverture du score signé Baki Koné. Il fallait être là, un but de quoi? De la tête de Baki Koné, tranquillement. Lui qui est pas très très grand, il a marqué de la tête, il fallait être là. Regardez ce centre, ça part de beau, là. Il est beau ce centre. Derrière la remise de Mamadou Niang pour Valbuena. La frappe extérieure pied droit. Pinto il est aux fraises. Et derrière ce ballon qui va heurter la transversale, qui revient bien sûr qui? Sur Baki Koné, qui a plus qu'à mettre la tête. Saez qui va essayer de sauver ce ballon. Oh, la tête de Pujol. Ouais. Qui est passé devant Mandanda. Derrière, il y a une belle présence de Steve Mandanda. Devant l'ancien attaquant du FC Nantes. Verratem Ben Arfa. De toute façon, M. Tiene, il est très offensif, cet arrière latéral. Regardez. La frappe de Tiene. Oh, ça touche la barre. Je vous ai dit qu'il était offensif. Il était le bout sur l'action. La frappe, elle est belle. Un petit peu en lob cette frappe. Il prend dessous ce ballon qui va s'écraser sur la transversale. Hein, je pense que Steve Mandanda était battu parce que cette frappe est croisée. Kitter. Allez, pas faute. Il y a un 4 contre 3. Bon ballon, pour Mamadou Niang. C'était Baki Koné qui manque son duel, malheureusement. Pas s'il y a leur jeu. Hein. Je pense pas. Mamadou Niang, est-ce qu'il a du soutien? Mamadou Niang, il a levé la tête, le centre en retrait. Oh, il a glissé Mathieu Valbuena. Oh, et derrière la reprise de Baki Koné qui passe au-dessus. Regardez l'espace, tout l'espace qu'il a. Tout le temps, un moment de centrer en retrait, Niang. Mathieu qui glisse et derrière Koné qui va la reprendre fort du pied gauche. Et qui cadre pas sa frappe. Le coup franc frappé par Valbuena au deuxième poteau. La reprise de Chirou, oh, ça passe au-dessus. Là. Du pied droit, hein, cette reprise de. Benoît Chéreau, regardez, ils sont 3-4 pour récupérer ce ballon. Et derrière, il laisse tout seul Chéreau, les défenseurs valenciennois. Il y a vraiment de la place, hein. Ça fait quand même 2-3 ballons de 2-0. Allez, oh, ils n'y sont plus du tout, les valenciennois, il faudrait marquer ce but. La frappe peut-être de Chéreau, il peut frapper Benoît Chéreau, c'est contré, ce sera un corner. Ah, il faut vraiment le mettre, ce deuxième but. Allez, Chéreau, fin de frappe, pied droit. Et derrière, il va mettre de nouveau le pied droit. De toute façon cadré ce ballon, mais bon retour. Sanchez. Ah, attention, ah, ça est, oh. Cette frappe qui passe au-dessus. Mais là encore aussi, hein, c'est milieu de terrain défensif qui se trouve devant. Il va mettre un pointu. Mais quel pétalonnade encore une fois. Bon pointu des familles. C'est un bon mouvement. Et là, il la prend n'importe comment. Et ça repart. Ah, le bon ballon, bien joué, le bon ballon revenu pour Ben Arfa, il peut y aller Ben Arfa. Allez. Le crochet. Ouh. Oh, le but d'Atem Ben Arfa, il est magnifique ce deuxième but marseillais. 2-0 pour Marseille. Regardez Niang, il n'y a pas attaqué, il est tout seul. Bon ballon, je pense pas qu'il est en jeu. Derrière, petit crochet extérieur. Sur son pied gauche. Crochet extérieur pour éliminer la tête bien levée, Pinto. Et en pleine course comme ça, c'est inarrêtable. Quand le crochet est réussi, derrière il y a le but vide. Et pour Ben Arfa, c'est un jeu d'enfant de redresser la course de ce ballon. Attention, il faut sortir. La frappe de Pujol. Oh, la réduction. Oh, du score. 2-1. Ouais, regardez sur ce ballon apparemment anodin. Déviation de la tête de Pironi. Là on est un petit peu en retard. Et derrière, il y a Zubar qui va tacler, mais c'est trop tard. Et ce ballon bien croisé, hein. Pied gauche de Pujol. Aïe. Attention, 10 dernières minutes. Ouais, la pression maintenant est sur l'Olympique de Marseille. Ouais, ils ne vont plus au combat. Hein. Les Valenciennois, il est passé, Bolo Zenden. Bien joué, Bolo, bien joué. Peut-être bien pour joué. La tête de Grandin. Allez, comme elle vient, Caboret. Allez, voilà, 3-0, 3-1. C'est mieux. Pour l'Olympique de Marseille. Allez, pour le goal à virage, c'est... il est content Charles Caboret. Sa frappe, elle est contrée. Et ça part de Bolo Zenden. Ouais. Hein.
très bonne accélération de Bolo Zelden. Elliot Grandin qui est un peu court, puis après la réussite. Avec cette frappe en demi. Et c'est terminé. Jean-Marc, l'Olympique de Marseille est deuxième au classement et revient un petit point d'Olympique Lyonnais. Victoire 3-2-1.